35, chant d'espérance français, au jour béni, jour de victoire. 155, jour de victoire. Dieu de toute éternité, bon papa, nous qui présente celle-là, je
Louez le Jéhovah ici, Jéhovah Shaman, le Dieu est Dieu. Maintenant, nous devons aussi de reconnaissance, nous remercions pour grâce. Non, mon sacerdoce, Dieu t'a accepté et prend la croix et pour pécher nous, pour pardon pécher nous. Maintenant, nous remercions pour grâce, merci pour faveur, merci pour humiliation. Merci, cher Seigneur, de compassion envers nous-mêmes. Ou de prendre, cher Seigneur, de tout fardeau, pour te prendre sous dos, pour nous être là, dans la place ça maintenant. Dans le ça, nous réunissons, cher Seigneur Dieu, et pour nous célébrer, cher Seigneur Dieu, résurrection. Et dans le moment ça, pour le Seigneur Dieu, vous devez ressusciter, vous devez pouvoir pour la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon à la croix fibrisée? Dans le chacun de nous, cher Seigneur Dieu, qui est dans ton plan, et venez célébrer, Seigneur Dieu, résurrection, pour gloire de ton nom, et pour faveur envers nous-mêmes, reconnaissance envers nous-mêmes, Seigneur Dieu. Dans le salon levé, cher Seigneur Dieu, chaque monde qui est part dans ce service-là, serviteur, cher Seigneur Dieu, qui est déjà campé, cher Seigneur Dieu, avec des cantiques de préparer, chaque père, chaque grand mot, qui va traverser ce peuple. Cela va aussi faire, c'est dit, venez dans ma terre, chers Seigneur Dieu, en face de quoi j'ai fait, et chers Seigneur Dieu, moi, on va me confronter, et nous lever, chers Seigneur Dieu, groupe, team, dans quel père, qui déjà dans le porte là, chers Seigneur Dieu, pour que nous fassions face à premier monde qui va entrer, tant pis, Seigneur, pour que nous toute vide qui la caille, rempli, chers Seigneur Dieu, de puissance et de force, nous lever, chers Seigneur Dieu, tout ça, chers Seigneur Dieu, qui nous branchait sur Facebook, et père, maintenant, capteur de nous sur YouTube, la main de bénir, la côté de Dieu, qui n'est pas calé. Là maintenant, cela sera contre la chasse en Dieu qui a projeté l'image pour nous servir. Tant prie, bénis davantage et nous levons pour groupe team d'adoration. Les musiciens, chasse en Dieu, nous mettons et nous comptons sous même nous mettons le moment qui nous va passer. Permettre qu'il va nous bénir, c'est en Dieu, Père, pour qu'on bénir pour gloire de ton nom. Nous comptons sous même nous t'en prions ici, dans le nom de Jésus, en même celle sur la gloire, ou même celle qui vit et qui règne dans tous les siècles et les siècles. Amen. Amen. C'est vous. Amen, amen, amen. On continue à essayer de gloire. Et avec parole, nous jouons dans 68. Chant d'espérance français. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô éternel. Yeah.
fait la différence. Gloire à Dieu. Le Seigneur est ressuscité. Praise the Lord. Praise the Lord. Bon Dieu bénis nous. Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit merci Jésus. Merci Jésus. On dit merci Jésus. Merci Jésus. Nous même qui pas malade, faut te camper. Et puisque nous la caille Seigneur il a payé célébrer la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça toute force l'évangile là, hein. Amen. Tout nom l'évangile là est là, il est dans la résurrection. Donc, nous comptons pour nous ce matin. On va lire nous, c'est dans Matthieu chapitre 28, qui gagne seulement 20 versets que nous allons lire ensemble. D'abord, lire ensemble avec nous. Matthieu chapitre 28, c'est là ma plie aujourd'hui. Matthieu chapitre 28, que nous allons lire ensemble. Nous allons aller, aller trop rapide pour nous tous lire ensemble. Nous prêts? Nous partis. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne criez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de lui le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'en approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que mon Dieu bénisse, vous allez? Amen. Amen, 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 amen. C'est loin, il n'est pas dans la tombe là, mais il est ressuscité. Donc, quand on dit, mon Dieu, merci pour la victoire que le banon matin. Et la continuer service, nous, avant que nous puissions nous quitter devant le Seigneur, on va chanter 67, chant d'espérance pour 7. Christ est ressuscité quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. Son triomphe en
merci pour nous, ça vous prie, chante à nous. Amen. Parce que réellement, c'est ce qu'on fait, oui. Si je vous dis à réellement, c'est victoire. Le ciel, la terre, mon jour, ça te tremble. Parce que petit pour Dieu, maintenant, ton bois, il est ressuscité au ciel des ciels. Parce que c'est mon vivant sauveur, vivant jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous allons aller faire prière pastorale, maintenant on va disposer le cœur, disposer l'esprit ou, et va prendre position qui convenable à vous-même matin. Connaître que nous allons aller dire bon Dieu merci pour le sacrifice de la croix, dire merci pour la résurrection, pour la vie matin qui est libre en nous. Dire merci matin, même Jean, dans 1 Corinthiens 15, verset 55 à 58, il dit ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Dans le Seigneur. Proposition qu'à bon pour matin, hein, ou pas devant le trône de la grâce. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Au matin, hein, nous vous remercions. Merci pour grâce. Et bien, servi de la chanter cantique ça au jour béni. Jour de victoire. Au jour béni, jour de victoire. Que nous pas jamais c'est oublié. Que nous pas jamais c'est oublié. Jour ça. Côté matin, c'est Dieu, on joue comme ça. Ou bon, nous, c'est de la victoire. Et c'est Dieu, non seulement bon, victoire, c'est Dieu. Et de côté, nous passons, c'est Dieu, nous gagnons victoire. Nous nous remercions, matin, pour grâce qu'on fait nous. Merci, matin, pour privilège qu'on accorde nous. Merci, matin, pour bénédiction, ciel là. Au qui envahit nous, matin. Nous nous remercions depuis grand matin, dans le service, là. Nous t'avons béni dans l'école dominicale. Et matin, pour nous, ciel, nous avons continué béni à travers cantique, à travers parole qui inspirait en cantique. Matin, ciel, nous pas de mots. Chaque monde qui l'a pas de mots. Chaque monde qui attendait nous matin, nous pas de mots pour nous merci. Merci pour la vie, c'est Dieu, que nous avons célébré. Merci pour la vie, que nous avons célébré. Il y a pile le ciel de qui a posé tête, mais on mourit. Yo rete nan tombeau, yo mouri, yo pa yon mou leve encore. Mais matin en serye, ou vin nan sou terre, ou mouri serye, ou leve, et la mort pa gen pouvoir sou. Et ça fait parole la vie, ou mort ou est ta victoire, ou mort ou est ton aiguillon, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais matin en serye, puisqu'on va nous pouvoir sur le péché, ou va nous pouvoir sur la chair, ou va nous pouvoir matin. Nous prenons pouvoir ça comme nous, et c'est Dieu avec pouvoir comme nous. Si pas mourir, nous pas de pouvoir ça. Si pas ressusciter, nous pas de pouvoir ça. Et pouvoir comme nous, oui, tout ça qui est marré sous terre, nous marré dans le ciel là. Tout ça qui est délagué sous terre, ou délagué dans le ciel là. Et ça fait ma terre, ciel Dieu, t'es au pile à adorer, nous adorons ma terre, parce que c'est au même seul qui bon Dieu, nous adorons ma terre, parce que c'est ou même seul qui a prégné, et ou a prégné sous trône la vie, non. Et ça fait matin de remettre quand dit ça, qui dit moi, ouais, bon Dieu, sur place qui pire, qui a prégné sous trône la vie, non. L'église à matin, les jeunes filles, jeunes garçons, les adultes, les jeunes, les dames, les musiciens, c'est le hancher, les dirigeants, pasteurs, leaders, l'église à matin, yo dit oui, c'est ou même qui a prégné sous trône la vie, non. C'est même qu'à régner, nous donne la rue, nous en matin, oui, nous vivons, c'est Dieu, ou vivons matin, dans la rue, n'est-ce pas, c'est Dieu, sous pas de vivant, nous pas la découvrir, c'est Dieu, pour nous déclarer parole ça, même dans c'est Dieu, Paul te dit, oh mort, où est ta victoire, oh mort, où est ton équilibre, matin, c'est Dieu, on nous merci, merci, c'est Dieu, non pas qu'un monde qui l'a soufflé, ou bon la rue, ou bon faiblesse dans le cœur, ou qu'on faiblesse dans la vie, nous, dans mon domaine, on va remplir nous avec.
avec grâce, ou va remplir nous avec bénédiction, Seigneur. La fait matin, quel que soit côté nous, nous opulents, parce que puissance, lui engendre nous, puissance, lui remplit nous, puissance, lui remplit nous, Seigneur. Nous vous remercions, merci pour puissance, merci pour puissance, merci pour la mort, merci pour la résurrection, merci pour la vie matin. Oui, nous gué la vie, et gué espérance ciel. Si elle t'en prie, nous remercions, merci par Seigneur, la mort avec résurrection, ou seulement t'es mouru, ou pas ressuscité, nous avons toujours concombé, on va pouvoir pécher, on tout esclave, on va pouvoir pécher, mais puisqu'on levé, matin, oui ou vivant, et mon Dieu qui dit, Adam t'es roi, nous t'es loué mourir, mais Christ prend la mort là, lui prend nous la vie, et ça fait matin, nous venons adorer, nous adorons pour sortir, mais autant plus matin, va bénir Père pour moi, qui vient adorer, mais il qui malade, touché au matin, parce que notre Jésus, lui vivant, alléluia, lui vivant matin, nous sommes du présence, dans l'assemblée, du présence, dans le cœur, du présence, dans la vie, dans la vie, nous matin, c'est un prix, ma porte en prix matin. Pour un bagage spécial, non que si on qui malade, non, non, si on qui malade, on va jouer péché, qui est esclave à péché. Fais-nous grâce matin, et béni Père, béni l'église, béni le Seigneur, service là, béni non, nous, si on qui malade, qui l'hôpital, capteur de nous, si la caille, capteur de nous, si on béni au matin, que grâce, que béni son ciel là, béni nous matin, visitez-nous, si est Dieu, visitez-nous la vie, nous, non, nous, l'église, visitez-nous, si est Dieu, qui soit venu chercher à viser nos matins parce qu'elle connaît la même jour de mourir ou de lever ou de ressusciter et vous assied Dieu au complet autour qui va venir chercher nous, alléluia. Elle connaît Dieu, nous qui pour voltiger, mais on joue ça, mais croit Dieu, nous voltiger, c'est ton prix, préparez que nous, préparez nom nous, préparez la vie nous, jeune fille nous, elle casse nous, l'église ou à aide nous, Dieu. Pour que même objectif ça, même vision ça, pour nous connaître, nous conjoints, nous pas voltiger, nous pas revenir ensemble avec vous. Bénis nous matin, et fais nous grâce, touchez-nous, que présence nous, pas toujours être dans nous, parce que nous connaissons, notre Jésus est bel et bien vivant. Notre Jésus n'est plus au tombeau. Notre Jésus est bel et bien vivant. Ou à droite, papa, et va intercéder. Ou à droite, papa, et va tenir le cap nous. Ou à droite, papa, ou va intercéder pour nous. Nous nous remercions, Matéen, pour son fait, pour le monde que nous y est, nous chèvres, parce que nous sentons présence sur la vie. Nous sentons prêts parce que présence dans le temps de l'opinion. Merci, Seigneur, qui nous met grâce, mais Père, quoi dans grâce, que chaque jour, pour nous sentir présence, pour nous sentir voir, car nous dans le soleil, car nous notre Jésus est bel et bien vivant. Nous prions matin, nous ne pouvons pas des gens qui vont quitter, mais nous prions au nom de Jésus, à lui seul la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Balancez-vous, on dit béni soit l'Éternel. Au café, ça pire bien matin, au café, ça pire bien. Damon levé volume non, levé volume matin, alléluia. Damon levé volume non, adoration ça, le volume non, va lever le moyo. On dit béni soit l'Éternel. Au café, ça pire bien matin, jamais le toi, jamais le matin. Liberté plus que ça va balia. Liberté plus que ça pour fouiller le matin. Niveau plus que ça matin, levé mon pire au matin. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On acclame la présence du matin. On acclame lui. On acclame le matin. Liberté de gloire. On acclame. On nous le matin. Liberté de gloire. Liberté de gloire. Liberté de gloire. Merci Dieu. Merci Dieu. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Exaltation. Parce que dans le passage de la résurrection, il était ressuscité. Même si on a vu la Bible, il n'est point ici, il est ressuscité. Et bien, que mon Dieu bénisse à terre. Amen. Mon Dieu bénisse à terre. Amen. Nous disons mon Dieu merci, qui a un privilège encore à terre. À midi, ça, pour nous capables en présence, il a un grand jour de fête, ça, jour de résurrection.
et que Jésus lui va nous la victoire sur le péché et lui va nous espérance la vie éternelle. Alors nous saluons tout le monde qui est avec nous matin, hein, qui est dans la salle, et nous saluons également tout le monde qui est dans le réseau, hein, surtout qui est dans YouTube, qui est dans Facebook. Nous saluons et nous disons nous contents parce qu'on choisit pour capable d'adorer ensemble avec nous. Et nous saluons également tout le monde qui fait déplacement pour capable venir, pour participer dans la grande fête avec nous qui dans l'église. Que bon Dieu bénisse, nous comptons avoir dans le Seigneur. Nous comptons avoir dans le Seigneur, nous vous bienvenue dans l'église de Ophir. Et bien bon, nous connaissons un grand jour pour le fête. Et nous gagnons toute l'église là, qui sous programme. Si nous avons chanté, nous avons extension de la jeunesse à chanter. Nous avons les hommes qui vont chanter. Et nous avons un groupe qui va faire un solo pour la gloire de Dieu. Mais nous, s'il vous plaît, et puis nous ne sommes pas capables de mettre l'ordre. Et d'ici, nous sommes contents pour jeunesse, puis place pour ici, toutes jeunes, place de filles, pour des places réservées pour nous-mêmes. Parce que c'est important. Ok, gloire à Dieu, nous bénissons pour ça. Mais bon, sans plus tarder, on a demandé responsable Simonio pour qu'on puisse commencer les préparations parce que nous allons commencer avec le programme musical là, parce que son journée qui long à peine et que pour qu'on puisse répondre à gloire. Une fois encore, nous vous remercions parce que vous venez avec nous matin. Nous saluons tous les musiciens et tout le monde qui a pas quelque chose pour le Seigneur. Mais bon, on va commencer avec le programme musical là. Et si nous devons vous chanter, est-ce que nous prêts? Gloire à Dieu. C'est Winza qui va approcher avec Timonio qui va chanter l'occasion spéciale ça pour la gloire de Dieu. Donc, remercie les parents, remercie Timonio qui va apprendre à chanter et faire le bagage là. Pas de la mouvement, mais pas de la fin de la avancée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. God's not dead.
Seigneur. Il n'est pas ici, il est ressuscité. On a passé à l'ex-groupe la prochaine dans mon plan de Dieu. With us. It has been
finished, John chapter 19, verse 30. Jesus had a call for submission given by his Father for which he had been sent into the world. It was a mission planned before the creation of the universe, a mission to redeem a people by their sin, by his death, for the glory of God the Father. Father, into thy hand I commend my spirit. Luke 23, verse 46. And Jesus is hanging on the cross, and his final moments of life on earth, he utters his final words of surrender to his Father. In Luke 23, verse 46, Jesus says, Father, into your hand I commend my spirit. Jesus entirely surrenders his body and soul to his Father. This is what we are all called to do as Christians, to give ourselves to God. The mission is accomplished. Avancez-vous.
juste un peu plus. Oh,
toute l'église là, pour nous capables toujours, par exemple, de gloire, d'une façon que on dit mal et nous fait ça. On y a, on va arriver, mon agent, les hommes qui vont les chanter. Les hommes qui ont un morceau que nous allons présenter à l'occasion de prophète ça, en tant que garçon de l'église, pour les présenter le morceau. Et nous dédions ça à tout le monde qui est dans la salle, là, les visiteurs, tout le monde a fait des fêtes pendant l'époque ça et tout. Amen. Je suis le héritier du grand roi.
Yeah.
Happy to see you, and you know this is your place. You belong here. We haven't seen you for a while, but this morning, this is what you're going to do. You're going to pay for every Sunday you are absent. Yes, put this up for us. They will pay for every Sunday they were not there. And I'm not going to call names. You know who you are. Because this is your church. I haven't seen you. And this morning, we're very happy to see you. So, this is the cell number.
And we give you permission. You can use your cell phone right now. That's the only time. That's the only time. And after that, put it away. Yes. So, nous disons du merci pour tout le monde qui a contribué pour l'église, bon Dieu. Et nous connaissons, et l'église là, c'est pas là la vérité. Nous avons grandi. Et nous avons besoin de faire préparation pour une nouvelle génération. This is your church. This is where you're going to get married. This is where you're going to do your social things. So, nous avons une vision pour nous bâtir ce building ça. Et nous-mêmes qui sommes dans real estate, nous connaissons les gens tête du chef. Un jour ça. Si bon Dieu bon Timo sourire, c'est dans temps ça dit bon Dieu merci. Place ça, c'est pour Théophile, c'est pas loin non loin. So nous avons besoin de monde qui vous une vision pour bâtir sur la place ça. C'est ça qui fait nous avons une boîte spéciale. Et même là où même on pas venu, toujours songer à l'église où. Parce que bien monde là, bon Dieu béni, on a un gros travail. Yes, on a fait gros l'argent. C'est pour nous penser à maman nous. Maman nous, c'est maman qui te fait nous, et c'est l'église pour nous te présenter là. Amen. Donc, puis là, c'est là nous présenter. Amen. Et c'est là nous présenter. Donc, ça, c'est maman, ça, c'est l'église. Amen. Pas jamais oublier ça. Même notre ami le président, amen, toujours songer pour nous sortir. Et c'est ça qu'on nomme. Yes. Donc, sans plus tarder, nous passons avec un petit adoration. Et il va l'adorer. Et quand on a fait ça, et puis, on va ramasser les anges et les offrandes. Bon Dieu bénis nous. Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit Alléluia. Alléluia. On va chanter et parmi que adoration, il dit mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Hein? Tout ça, nous pouvons bénir le Seigneur. Hein? Et pas ça, allez-vous ça. Maintenant, vous continuez à faire comme vous, parce que Jésus, il ressuscité des morts. Et ça donne espérance que la bien victoire. 65 Français chantent espérance. Jésus, par ton sang précieux, nous allons chanter. Et puis, sous quel corps, parce que vous avez victoire déjà, ok? Mon ancien, on va travailler, non? Mon ancien, on va travailler, non? Amen.
Bien sûr, moi, la carrière, la vie.
Continuez de m'en aller. Dis-moi Dieu merci parce qu'il est ressuscité. Il est bon pour vous. Alléluia. Mon Dieu fidèle. Pour offrir le message
before that we want to welcome Brother Daniel and his wife with their no kids. Amen. Okay. And Amen. Gloire à Jésus. Nous devons dire une parole. Coupez tête au moment de votre parole. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, que toutes tes grâces, au nom de Jésus, nous t'approchons, Seigneur Dieu. Dans le moment ça même, pour nous remercier. Merci Seigneur, parce que nous pas dans ton bon encore, Seigneur Dieu. Les hommes des sciences ont mouru, mais ils pas qu'à conjuguer la mort au passé, Seigneur. Mais on m'a dit, alléluia, j'étais mort. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Merci Père Saint, parce que mon Dieu, les physiciens comme Lens, comme Joule, Seigneur Dieu, ils ont mouru, ils n'ont pas ressuscité, Seigneur Dieu. Merci Seigneur, les mathématiciens, comme Pythagore, Seigneur Dieu, ils ont mouru, ils n'ont pas ressuscité. Mais vous-même, vous mourrez, Seigneur Dieu, ou vivant au siècle des siècles, la nous bénissons pour ça. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, dans le moment ça, Père Saint, nous devons remercier et nous bénissons pour son fait dans la vie. Nous. Merci Seigneur pour petites filles, pour petits garçons. Nous sentons, Seigneur mon Dieu, c'est avec joie au cœur, Seigneur Dieu, pour nous venir célébrer, Seigneur mon Dieu, ce grand jour, le jour de la résurrection. Nous bénissons pour ça. Merci, Seigneur mon Dieu, non, que mon qui mourit, Seigneur mon Dieu, pas capable de lever, malgré de comprendre ce grand homme, mais personne n'a pas capable de retourner à la vie. Mais même, Seigneur mon Dieu, même les gens qui ont ressuscité, nous jouons, Seigneur mon Dieu, nous répondons, ressuscité, on a rencontré au dans les airs. Nous bénissons pour ça, Seigneur Dieu. Merci, Père Saint, pour offrande, pour sa petite fille, sa petite garçon, Seigneur, qui t'a contribué pour travailler ça, capable d'aller de l'avant, pour l'église, ou capable d'avancer, Père Saint. Maintenant, on va bénir aussi, là, au Seigneur mon Dieu. Le temps est même déposé, mais on n'est pas capable d'aller là, pas gagner. Mais maintenant, on va dire en retour, on va bénir, on va mettre dans le Seigneur Dieu, pour être capable pour avancement de travail, au Père Saint. Maintenant, Seigneur mon Dieu, on va arriver côté serviteur. Il va le camper, Seigneur mon Dieu, pour le distribuer. Message, parole, nous, Seigneur mon Dieu, c'est sûr et certain. Il s'est préparé, Seigneur mon Dieu, il s'est fait des préparatifs. Mais maintenant, au Père Saint, au nom de Jésus, ça qu'il s'est préparé, maintenant, on va mettre chair sous os, ça, Seigneur mon Dieu, avec le Père Saint. Parole, il va dire, on va sortir elle-même, on va sortir vers vous-même, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur mon Dieu, pas de monde qui a parlé, Seigneur mon Dieu, avec la chair et le sang, pour le monde sortir béni, et pour le monde avoir conscience, papa. Mais maintenant, papa, au nom de Jésus, on va parler avec le serviteur. Parole, il va dire, Seigneur mon Dieu, il va prodiguer, Seigneur mon Dieu, pour vous, Seigneur Dieu, pour royaume capable d'avancer. C'est la prière que nous adressons, non en vertu de nos œuvres de gloire, mais à ton nom de bonne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, avec nous, évangéliste Ednis, dans le message de la parole de Dieu, il passe des présentations, nous habituons avec l'évangéliste. Alors, j'ai disposé côté libre de parler avec vous et pour capable bénir à travers le message par le Seigneur. Praise God. Grâce mon Dieu à vous. Amen. Bénédiction mon Dieu à vous. Amen. Puissance mon Dieu à vous. Amen. Et nous restons privilégiés ce matin pour la présence de mon Dieu. Pourquoi ça? Amen. Il y a des mots qui étaient planifiés pour aller à la terre, mais malheureusement, ils n'ont pas été capables. Ils ont été peut-être par maladie ou quel que soit le problème, mais ils n'ont pas été capables. Mon Dieu, il faut grâce pour la matin.
Nous avons donc capable d'ouvrir ensemble avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans le verset 1 jusqu'au verset 15, verset Corinthiens chapitre 15, verset 1-11. Amen, praise God. But you touch someone though. Okay. D'après-vous, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'aventure. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est que vous avez cru. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un grand jour pour mon évangélique. Hein. C'est un grand jour parce que c'est dimanche, c'est la résurrection, dimanche de gloire, que côté Christ, il t'est mouru, il est ressuscité par notre foi. Est-ce que vous voyez ça à l'église? Amen. J'étais mort, je suis ressuscité. Pas que vous m'avez conjugué comme ça. Seulement Jésus qui a dit, j'étais mort. Maintenant, dans le chapitre que nous venons devant nous, c'est le sujet qu'il a traité pour vous, c'est l'épreuve de la résurrection. L'épreuve de la résurrection, mais on m'a pété en anglais pour nous sur l'écran, pour ne pas voir exactement de ça que nous allons parler. Pour English speaking, you're going to see it on the screen, what we're going to talk about. So the subject is the evidences for Jesus resurrection. Et d'abord, premier point, c'est church. Et deuxième point, c'est scriptures. Et le troisième point, c'est les eyewitness. Et quatrième, c'est the apostle himself. Vous l'avez? Yes. Are you with me? Yes. Ok, donc c'est ça que maintenant nous voulons parler, c'est l'épreuve de la résurrection. Donc, si nous voulons parler, nous dit, on a parlé de l'épreuve de la résurrection, donc c'est que tu es quelque monde qui va trouver dans les résurrections. Nous, et Paul, c'est lui-même qui écrit chapitre ça pour l'église de Corinthe. Donc, nous connaissons Paul, c'est écrit en pile pour Corinthe surtout, parce que l'église de Corinthe, c'est dans l'église qui débat en pile problème. Qui débat Paul en pile problème. Donc, ça permet que Paul, ça fait Paul couler en pile l'encre pour l'église ça, pour l'écrire en pile pour l'église ça. La résurrection, nous sommes capables de dire maintenant, c'est pour mon église la même que lui. C'est pour mon église, donc c'est cœur l'église la que lui. Donc, si vous n'avez pas de poumon, vous n'avez pas respirer. Si vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de pomper. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas la vie. Donc, si vous n'avez pas de résurrection, vous n'avez pas la vie pour le Seigneur. Gayon auteur, monsieur Harold Wellington, monsieur, c'est lui-même qui écrit les grands guides de la Bible. En anglais, Guide to the Bible. Mais c'est pour exposer encyclopédique sur la Bible et son histoire. Il n'existe probablement aucune doctrine de toute la Bible qui soit tellement haïe par Satan que celle de la résurrection de Christ.
Mais ce n'est pas d'aucune doctrine, donc si vous voulez acheter le livre, c'est le grand culte de la Bible, le grand culte de la Bible, c'est Harold Wilmington qui écrit. Donc, mais ce n'est pas d'une doctrine, pas conseillement qui est plus raillé que doctrine, ça, doctrine de la résurrection. Elle a parlé de la résurrection parce que pour qui ça, si pas de résurrection, pas de chrétien. Bien évidemment, dès le commencement, adversaire là, il est toujours à efforcer pour capable de mettre confusion dans les affaires bonnes. Dès le début, il est toujours à dans Genèse chapitre 3, verset 1er, il dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Premièrement, créer doute. Et créer doute dans le cœur de l'homme, il a commencé à en créer, ça a révélé la confusion. Et à la fois, il pensait que l'Iguale fait même mal à la main, il échouait, on regarde le calcul. C'est que Christ mort, il ressuscité. Comme d'habitude, il toujours essayé pour le ridiculer, événement ça qui c'est un grand événement que personne ne va pas oublier. Quand plus bagarre, il a posé aux questions, c'est d'Adou, peut-être d'Adou 15 ans de cela qui sont faits. Tout le monde, pas que personne qui a répondu. D'Adou peut-être même 2 semaines de cela qui sont faits, ou pas qu'à 10 qui sont faits. C'est pas un grand événement de l'amour, pas qu'à 10 qui sont faits. Mais pas qu'un mot qui a nié la résurrection de Christ. Donc, tout ça, nous connaissons que Satan est en pile agent. Il essaie de faire en pile façon pour capable ridiculiser l'événement, ça, pour capable minimiser lui, pour capable nier, pour capable expliquer faussement. Nous parlons de quelques théories que il fait pareil pour capable comprendre, pour capable nier ça ou la résurrection. Et il y a un bagage, c'est la théorie de la fraude. La théorie de la fraude, ça veut dire, comme ça que c'est peut-être disciples. C'est disciples eux-mêmes, ou bien Jésus qui inventait l'histoire ça. C'est bon bagage vrai, c'est disciples qui inventait ça. Mais ça que la question qu'on a posé nous matin, comment que disciples t'as qu'à inventer une histoire si bien coordonnée? Tout Ancien Testament, toute prophétie, toute ça la Bible dit, fait exactement à la lettre Jean que et prophétie a été dit que la fête. Donc nous voyons que par contre, homme, par contre, quelle que soit l'intelligence que le capable, ou le capable en coordonner une histoire comme ça, bien coordonner Isaïe par les 700 ans avant Jésus-Christ. Donc qui est-ce qui est capable de faire ça? Donc ça veut dire que là, il va coller. Deuxième théorie, il dit c'est la théorie de l'évanouissement. Il prétend que Christ était simplement perdu connaissance pendant le souffroir. Et puis, Léo était dans ton bois, des fraîcheurs qui étaient là, réanimés. C'est le deuxième théorie. Là encore, ça va coller. Troisième théorie, donc c'est ça, hallucination. Puisque nous avons prêché le message ça en 2 ans de cela, les que vous avez fait recherche, moi, ça n'a pas tellement trop bien compris l'hallucination. Donc, il s'allait son trou de vision que les gens nous étaient habitués avec. À l'époque, l'aide d'affaires chez donc c'était en théorie que c'était, but now it's practical. I cannot say that in French because the one who gave me birth, he got this problem. So, ça veut dire que l'hallucination qui s'alliait, c'est que il correspond avec un trouble de sens et qui, pour conséquence, que vous tentez, ou ouais. Mais pas que l'autre monde qui voit, pas que l'autre monde qui tente, ou même seulement. Et nous connaissons tout que moi, ma vie pratique là, c'était théorique, pratique là. Ça veut dire que, ou toujours ouais, et on n'aime pas la soeur Marie, ça m'a expliqué, t'as dit, mais qui j'en, ça a fonctionné, les affaires, ça m'a expliqué, mais moi pas de vie. Donc c'est vrai, le monde, yo tente, yo ouais, et puis, ou pas j'en moyen. Il y a toujours des gens qui ont attaqué, des gens qui ont fait mal. Donc, ça, encore, pas connaître pour qui ça? Parce que les 500 personnes, donc est-ce que 500 personnes sont capables de faire même maladie en même temps? Il est impossible. Pas connaître 5000 personnes qui pas capables de même maladie en même temps. Il est impossible. Ça va connaître toujours. Donc, bien aimé matin, tout ça, Satan fait,
pour être capable d'éliminer le plan de Dieu, zéro. Pas de monde qui a éliminé le plan de Dieu. Et pas de monde qui a éliminé le plan de Dieu dans la vie tout matin. Ça, mon Dieu, te dit, what ya, what ça? Amen. Yo, même parler, yo, même critiquer, yo, même dit ça, yo, dit. Ça, mon Dieu, vleuréa, c'est ça, what ya, amen. Praise God. La résurrection, lui prouver que, lui prouver victoire que, c'est nous gagnons sur le péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il explique ça, verset 55 à 57. Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la connaissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, la mort. Donc, tout le monde appelle la mort. Et puis, on parle de la mort, il y a un qui tremble. Mais quand ça, Christ fait, l'infini vient enlever la peur, ça. Très récemment, alors mon proche famille, il dit que mon responsable est mort, pour moi, responsable enterrement. Donc, il fait toute préparation, n'aller dans, finalement, non, n'aller dans. Bon, ça, c'était plus. Choquant pour moi, c'est entrer dans le cimetière là, pour la lâcher place. Et après le son de funérailles, non, il dit que c'est que qu'il voulait. Il choisit ce que qu'il voulait. Il dit, mais il fait tout ça qu'il voulait. Après ça, nous allons dans le cimetière là, il y a lâché, il dit telle place qu'il voulait, mais côté que lui voulait entrer, mais là, il voulait à monter le place là, il dit, mais prier, etc. Donc, il aimait la mort, que quel que soit mon nom, il ne peut pas lever la mort, il ne peut pas lever la mort. Il ne peut pas lever la mort, parce que c'est vrai qu'on le dit, ou pas qu'on dit ça qui est réservé pour moi, mais nous pouvons elle. Nous pouvons elle, parce que c'est la nuit, nous avons belle calme, nous avons belle voiture, etc. Belle madame, nous belle petite, nous on dit, enjoy you. Mais comme ça, mais si ça fait que. Nous perdons la mort. Mais ça, c'est ça. Il enlevait la peur, ça. Il enlevait la mort pour nous. Bien aimé, la résurrection, c'est plus grand espoir que l'humanité des cagnères. Disciples, là où est tout ça que Jésus apprend, monsieur, il est désespéré. Il est désespéré. Mais la résurrection de Jésus, lui montre, mais c'est obligé d'espoir qu'on y a là. Parce que s'il ressuscitait, eh bien, nous avons cru en lui. Donc là, ça veut dire qu'on croit que la résurrection lui bat espoir. La résurrection, non seulement lui bat espoir, mais la résurrection lui garantit salut. La résurrection, c'est pas de la résurrection, pas de la vie éternelle non plus, parce que Christ mourut, il était dans son bois. Donc, pas de la vie, ça arrêtait là, ça finit là. Et la résurrection est la pierre angulaire. La résurrection est la fondation de l'évangile. Sans la résurrection, pas de l'évangile. Et la résurrection les justifie. Ce n'est pas que nous pas péché, mais le fait que Christ ait pris à la croix pour nous. Il dit, mes petits enfants, ne péchez point, mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Donc, vous voyez ça que l'a fait pour nous. Il va dans ton bon enfant, mais le ressuscité, lui côté papa, l'a plaidé cause. Il paye le prix à la croix. Il dit ça dans Romains chapitre 1er, 8, verset 1er. Il dit, maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va dire pour ceux qui viennent à l'église. Il va dire pour ceux qui prêchent. Il va dire comme ça pour ceux qui ont des titres. Mais il dit, pour ceux qui sont en Jésus. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances pour nous condamner et qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé, l'a éliminé en les clouant à la croix. Tout acte de condamnation qu'on a gagné, Jésus courait tout à la croix. Et ça fait nous chanter, nous dit, nous ne pas doué en y encore parce que Christ les payait tout. Donc, bien aimé, la résurrection, nous dit, c'est Pierre Angulaire, c'est la foi chrétienne en même. Sans la résurrection, pas de christianisme. Et Gontier qui dit que
Le rejet de la résurrection équivaut à un suicide spirituel. Ça veut dire que sous-jeter résurrection, ça veut dire que son sort de suicide. Donc, bien aimé, plus grand problème de l'homme, c'est la mort. Mais Christ est venu et béni prière à la croix de nous. Donc, bien aimé, maintenant, en Corinthiens chapitre 15, côté de Paul a parlé, dans Corinthiens chapitre 15, si Paul parlait comme ça, il dit je vous rappelle, frère, d'abord, nous ne parlons pas de trop, mais il dit frère. Non, oui, il y a une bagarre, Paul, il m'a remarqué, depuis qu'il a parlé, il a toujours dit, il a dit souvent dit frère. Nous-mêmes, l'église, nous disons, nous citons, nous, non. Mais en général, nous avons dit, non, frère, mais soeur, et ça, Paul, c'est frère, tel, c'est pas un tel, mais c'est frère, un tel, mais soeur, un tel. Donc, Paul a parlé avec un peuple convaincu là. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, en nous dit premier bagage qui prouvait que la résurrection est vraie, donc c'est l'Église. Pourquoi? Parce que dans le texte, on dit, bon, frère, vous pouvez écouter, dans le texte, que l'Église paraît, surtout dans le verset premier, verset 1 et 2. Donc, on va voir côté de Barrette. Donc, mais dans le texte là, si que nous n'y croyons dans l'évangile que Paul prêchait, nous croyons l'église, par exemple, ça veut dire que, ouais, déjà là, la résurrection, ça veut dire que nous, l'église même qui existait, c'est à cause de la résurrection. Et bien, nous connaissons maintenant, un peu nous, nous critiquons l'église en ville. Nous disons que, pas oublier, Paul a fait prier à l'église de Corinthe, il va pas prier avec l'église parfaite. Il a pécré avec l'église de plein les fous. L'église de Corinthe, c'est qu'il y a un pile problème. C'est qu'il y a un pile problème. Pas comme tu as fait, tu pas de problème. Donc, comme beaucoup de nôtres, comme un pile dans l'église que nous y a aujourd'hui. Dans l'église de Corinthe, c'est qu'il y a un pile division parmi eux. Dans les Corinthiens, ouais, alors bien, dans les Corinthiens, chapitre 1, on va pas écouter dire moi je suis pour Paul, je suis pour Paul, je suis un Apollos, je suis Pierre, etc. Donc tout le monde a dit, moi je ne clans pas me faire, je fais partie des clans Paul, je fais partie de Apollos, etc. Donc l'église, je dis à tous, c'est même pas là. Pas de différence, non, tout le monde est clan. Tout le monde dit, si c'est un tel qui a fonctionné, je dis à ma place. Si ce n'est pas Frère Joël, ma place, parce que le Frère Joël qui va dire ça. Comme tout ça, bien aimé, l'église pas doit fonctionner comme ça. Quel est Frère Joël, quel est Frère Jacques, quel est Frère Pierre, peu importe mon capin, performer dans l'église là, ou doit assister. Praise God, amen. Division, c'est que tu as une division, tu as une incense dans 1 Corinthiens chapitre 5. Nous, tout ça. Côté petite, pour madame, papa, nous, tout ça. T'es un pis jalousie, t'es un calomnie, t'es un médisance, t'es un débauche, etc. Tout ça, vous êtes jeunes, tout ça, il y a encore. Mais tout ça que nous sommes dit, parce que je dis, parce que tout le monde a cherché en l'église qui est parfaite. Tout le monde, et ça fait un peu de monde qui dit, pas à l'église, il est trop hypocrite, l'église. En plus, nous nous souvenons peut-être que ça, pas à l'église parce qu'il est trop hypocrite. Praise God. Amen. Amen. Bon, tout ça, bien-aimé. Pas vivre l'église pour le monde parce que il est hypocrite l'église, mais vivre l'église parce que Christ mourit pour nous. Amen. Christ va pas le juger à partir d'un tel, parce qu'un tel dans défaut, mais pas le juger, est-ce qu'on croit dans la parole? Il dit ça, confessez à bouche que Christ ressuscité et donc sauvé. Donc, jamais, pas jamais, juger un monde à cause d'un tel, à cause d'un tel, pas de non. L'Église a toujours, l'Église est toujours, bien tout, défaut ça, mais l'Église a toujours fait route. Médisance, calomnie. Et parfois, pour bon, ça, puis là, c'est que les gens, si vous n'avez pas fait de bagaille, et parfois, vous n'avez pas fait de bagaille, vous dites, mais les gens, c'est que les gens font de bagaille, c'est vrai, mais
ou là, pas je vais finir avec. On continue, là. Donc tout ça, la Bible compte tout. Donc bien aimé, non seulement que tout problème ça va pointe, mais raison primordiale qui fait pour l'Église en Corinthiens chapitre 15, c'est parce que dans l'Église là, il y a une sorte de philosophie, ça veut dire dualisme, que, qui pas couvert dans la résurrection, peut-être que ça a été influencé par le Sadducéen. Donc ça veut dire que le fait que des gens qui pas croient à la résurrection, donc Paul obligé écrit pour dire que si nous pas croyons dans la résurrection, donc tout ça nous dit tout. En vain, tout ça n'a fait l'eau, c'est l'armée sur la terre. Et si pas de résurrection, bien aimé, comme nous disons que le haïtien, qu'a fait le coup la main. Donc, l'église la même, s'il existait, malgré toute persécution, malgré tout temps, attaque l'église, l'église a toujours campé plus belle. Malgré tout ça, vous faites contre l'église a campé plus belle. Donc, pour être obligé d'écrire, pour être capable de dire, vous devez quoi. Donc vous prenez les gagnants en comment dire, à cause d'influence que dualiste ça m'a parlé là. Donc ça nous fait que même l'église a tout, parce que comparé à que dans les Corinthiens chapitre 15, verset, je crois, verset 58, 33, pardon, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui vous fréquentez, et puis même tout qui est soigné. Donc un peu vous dit l'homme qui ça, l'homme est le produit de. Donc c'est que par la sortie de là, dans toute règle, nous connaissons toute règle, exception. Oui, nous d'accord, dans toute règle, exception. Mais si jamais, si on fréquente un monde, tout le temps, son monde qui sont alcooliques, son monde qui boit la boîte, qui souffre tout le temps, donc nous avons tendance à venir la vie avec tout. Yes. Si vous êtes avec nous, tout le temps, parler de monde mal. Finalement, parce que toute la vie, tout est éternel, donc on connaît, on joue tout, tout commence à parler de monde mal. L'influence. Pas la sortir de là. Donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça, je dis dans le Corinthiens chapitre 15, dans le même chapitre là, verset 33. Et ça fait que notre problème, ça a été dans la communauté de moi. Parce que influence là, comme c'est tout jeune, là, influence l'école là. Donc ils sont obligés de mettre là, Jean le petit mounionnier là, pour être capable de sembler avec Timoun Mouba, si le voilà, il va l'ennuyer. Il va aller parce que fille ça trop pour eux. Donc, des fois, par un tour, il faut être capable de comprendre ça. Donc, nous, tout le premier témoignage là, ou le premier vide dans ça, c'est l'église. Donc, malgré toute persécution, l'église a toujours existé, toujours, par les gens qui ont détruit l'église là. Malgré tout ça, malgré tout le temps critique, malgré le patrimoine, malgré le torturé, malgré tout ça, en fait, mais je vous en qui reste parce que vous croyez dans la résurrection ça. Et ça fait dire, je bâtirai mon église et les portes de séjour des mondes des prévôtons. Point. Toute critique, toute attaque, l'église a toujours pire, toujours campé, pire, toujours. Donc tout ça, c'est la résurrection de Christ qui fait ça arriver. Nous parlons qui gens que nous dit par la soupe, qui gens que nous n'avons pas fabriqué. Qui intérêt au là-dedans? Qui intérêt pour faire une fabrication comme ça? Je dis en général, les gens besoin de défendre nos bagages ou besoin de nos bagages, ça le fait. Je dis, parfois, c'est soit de l'argent là-dedans, c'est soit des pouvoirs, sexe, pas de bagages ça. Donc, pour qui ça, tu as inventé une histoire, et puis nous finissons une histoire, tu as parlé de millions pour eux encore. Donc, il n'y a pas aucune façon pour ça t'arriver. Donc, bien aimé, c'est nous, que matin, hein, que l'église là-même, qui existait, c'est parce que Christ ressuscité. Et c'est ça qui sort de les disciples dans le désespoir, parce qu'il y aurait Christ ressuscité. Maintenant, même qui désespéré, ou même qui découragé, eh bien, Christ portait la joie pour nous. Dans Matthieu chapitre 28, verset 5, 6, que je donne le matin, il dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir les lieux où il était couché. Eh bien, bien-aimé, la résurrection lui a apporté espoir matin. On ne va pas dire qui louent matin. Parce que
Yo ti watch sa ki te kouvri tom sa, li te pese like 2000 ton. Matin pa kon problème ko genyen, ki konbyen ki pou al pese. Mais seulement ça me connaît, Jésus t'a roulé roche pour ça. Jésus t'a roulé roche maladie ça pour nous. Tout le monde a persécuté, si nous yo, bon Dieu t'a roulé roche ça. Qui nous roule? Il a dit que dans Marc chapitre 16, verset 3, il disait entre eux, en fait, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre? Loin de l'entrée du sepulcre, on dit cette pierre pesait 2000 tonnes justement. Mais par contre, il faut. Trois problèmes en matin, mais qu'on est que Christ a résolu le problème en matin. Non seulement nous dit l'Église, mais deuxième bagaille, c'est les Écritures. Dans verset 3 et 4, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, encore selon les Écritures. Donc, Paul va faire un astral, il mentionne deux fois selon les Écritures. Mais là, rappelez-vous, mais ça que la Bible dit, mais ça l'Ancien Testament dit, de longtemps avant la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que l'Écriture même, la parole de Dieu même, c'est preuve que la résurrection est vraie. Pas de mentir là-dedans que Christ, lui, ressuscite. L'Ancien Testament annoncé, ça fait Job dit dans Job 29, verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même j'ai contemplé Dieu. Oubliez Job, depuis dans Job, dans l'Ancien Testament, il vient d'en anticiper la résurrection. Il dit tout ça, regardez, même si une pomme détruite, zone bien séchée. Mais m'a contemplé, mon Dieu. Et puis, regardez, c'est pas plus bas dans la comme ça. C'est pas mon monde d'appel, mais moi, même ma parole avec trois yeux. Donc, il n'y a pas un matin. C'est pas l'homme, mais pour dire qu'il faut répondre en vivant. Pour le répéter deux fois, il dit selon les Écritures. Parce que la Bible était déjà dit ça. L'Ancien Testament, il prédit déjà naissance de Jésus. Il prédit déjà la mort de Jésus. Il prédit l'ensevelissement et la résurrection. Et Paul va inventer. Aucun intérêt pour l'inventer. Dans Psaume 16, verset 10, David a parlé, il dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption. Donc, bien-aimé, est-ce que David parle de la mort? Est-ce que David parle de la corruption? Est-ce que David n'entre pas en bataille? Là, la prophétie, c'est exactement Jésus que Dieu t'a parlé. Mais David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il mourrait quand même. Mais la mort, ça, c'est la mort éternelle là. Que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et il dit, je raconterai les bienfaits, les œuvres de l'Éternel. Donc c'est que c'était déjà, c'était de Jésus que tu as parlé déjà. Donc bien aimé, même à la fin, quand Pierre citait Somme 16, tout, et puis il fait commentaire ça, devant moi, il parle, dans Acte chapitre 22, verset 23, verset 22, 23, etc. On va prendre un livre pour vous. Donc ça veut dire que l'Écriture même montrait que Christ est réellement. Encore, non seulement en les Écritures, mais encore les témoins. Nous connaissons ici, surtout ici, dans l'Afrique côte ici, il y a toujours aimé ça, c'est un témoin. Un témoin, mais il n'y a pas besoin de voir qui témoin, non. Un témoin qui est neutre. Le fait que nous sommes neutres, il va défendre personne parce que, on dit par exemple, un accident est passé là, dans la rue. Et puis qu'on est d'accord pour faire témoin. Donc, on va prendre personne dans le monde. Donc, là, on vient d'un côté là, on dit exactement ça que vous témoin qui s'est passé là. Donc, c'est ça que là, dans le texte là, c'est que, qu'est-ce que c'est que ça, qui est la preuve? Qui est la preuve que Jésus est ressuscité? Donc, il y a des 500 mounes, pas des mentis là-dedans. 500 mounes, pas qu'à forger une histoire comme ça. Donc, tout le monde a, donc ça veut dire que, bien aimé, Christ est réellement ressuscité, puis il y a un témoin oculaire qui voit ça.
Dans verset, il dit comme ça que en si nous écoutons une vidéo, dit dans verset verset 5 là, il dit et il est apparu à Cephas aux 12, ensuite il est apparu plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et bien, il y a un homme qui vient de là. Et donc quelques-uns sont morts. Donc bien aimé, il dit ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après que tous il est apparu à moi. Donc ça veut dire que avec tout le monde qui est parlé, il y a Paul lui-même qui s'est dit moi tout. Il va dire avec Paul. Il va dire avec Paul tout. Donc, si pas Christ passe que ressuscité, eh bien la vie de Paul va pas transformer. Paul dit ça, Paul l'a fait. Qui ça t'a fait? Il a persécuté l'Église. Il t'a pas l'Église pour faire. Mais là, ouais, résurrection Christ, on lui a dit comme ça. Il paraît avec moi-même tout sur la route de la masse. Donc, bien aimé, maintenant, nous montrons que l'Église, là, c'est preuve de la résurrection. Les Écritures, c'est preuve. Témoin, c'est preuve. L'apôtre Paul, même dans verset 8 à 10, c'est preuve. Et bien aimé, Paul, dans toujours un chapitre, il va montrer six conséquences désastreuses s'il n'y a pas de résurrection des morts. Premièrement, il dit, dans verset 14, il dit la prédication n'aurait pas de sens. Prêcher l'évangile n'a pas bien aucun sens. Parce que Christ a ressuscité, donc nous tous, c'est temps qu'il a perdu. Et puis, disons encore, la foi dans le Christ serait inutile, vaine, n'a pas aucun sens. Ça n'a pas de sens. Si Christ n'a pas de sens. Et sur certains matins, c'est parce qu'on croit que Christ est ressuscité qu'il faut là maintenant. Amen. Yes. Et puis dit, tous les témoins et les prédictions de la résurrection seraient menteurs. Tout le monde qui t'est prévu avant tout prophète, tout apparaît comme menteur. Et puis, encore, lui dit encore, personne ne sera racheté du péché. Pas de monde péché, ne va pas payer vraiment, il va pas racheter, Christ va pas racheter le péché. Et puis il dit, tout croyant dans l'Ancien Testament, tout ça dans le chapitre 15, là, oui, il y a tout à péri. Et sixième conséquence, il dit, les chrétiens seraient le plus malheureux. Ça veut dire que vous êtes plus misérable. Même si vous avez l'argent, vous avez tout ça, monde, ça possédé, le fait que si Christ par ressuscité, ça veut dire que vous êtes monde qui est plus malheureux. Et la résurrection de Christ, il est différent que tout l'autre monde qui mourit déjà. Que tout empereur, que tout homme religieux, chef religieux, tout philosophe, politicien, dans le monde, il reconnaît comme le monde qui défend un pile d'exploits. Mais le tout est mort, il n'y a pas ressuscité. Il a été qui ça, il a été dans la terre. Mais Christ lui-même, il dit après trois jours, il ressuscite d'après 40 jours. C'est comme il va dire, non, pas fait trois jours, mais d'après 40 jours. Mohamed, musulmans, ils ont célébré tout ça, juste pour crier. Parce que pour ça, Mahomet est toujours dans ton là. Mais Christ lui-même, il est ressuscité. Bouddha, il va ressusciter toujours dans ton là. Mais Christ par nous, il est ressuscité. Confucius, tout grand homme de l'histoire, malgré l'histoire, soit positif ou négatif, Alexandre le Grand, Hitler, Voltaire, Socrate, tout c'est l'ouverture que nous connaissons très bien. Nelson Mandela, tout ça, tout mourir, tout a été dans ton là. Mais Christ par nous, il mourit, il ressuscité. Puisque nous prenons la vie, nous gagnons la vie éternelle. Donc, bien aimé, la résurrection sont un élément essentiel dans la vie chrétienne. Sans la résurrection, comme nous dit ça déjà, pas de christianisme. Nous dit la résurrection, c'est la pierre angulaire de notre foi. Et nous montrons maintenant toute preuve. Nous montrons les Écritures, nous montrons l'Église, les Écritures, les témoins oculaires, le témoignage personnel de Paul. Je viens de matin, sous ta main de musulman, côté Dieu là, il t'a vu dans ton pouvoir. Et sous ta main de côté Dieu là, il t'a dit, oh Dieu là, ressuscité, qui s'est à droite à Paul, puis il a discuté, il a pris des causes de nous. Donc, bien aimé matin, hein, sous là, sous pas de Christ matin, hein, sous pas quoi que le ressuscité, sous confesser à bouche, ou que Dieu ressuscité, bon, tu seras sauvé. Donc, bien aimé,
Il nous raconte une histoire. Son couple américain qui était rêvé pour voyager à l'Israël. Mais pendant des années, il n'y a pas de chance d'arriver à économiser. Il y a des problèmes financiers, ça permet qu'il n'y pas capable d'aller en Israël. Et puis, d'un jour comme ça, que Maria a eu une promotion. Il a eu une promotion, et puis qu'on est rentré à la Cali, et puis il dit, ah, j'ai eu mon promotion là, et puis longtemps que tu as caressé ça, nous ne pas aller en Israël. Et on dit, mais belle-mère qui était là, c'est-à-dire maman Fia qui était là, il dit, bralé tout. Il dit, ça a depuis longtemps, bralé tout. Et puis, Maria a vu les élans. Je vais vous dire. Mais malheureusement, mais vous pas chrétien, non? Vous pas chrétien. Et pour tout le monde, même les gens qui sont pas chrétiens, ils croient à la résurrection. Et puis, là où vous êtes là-bas, malheureusement, après une bien visité, belle-mère là tombée mourir, il mourit. L'elle mourit, eh bien, ils ont dit profondément, ils ont dit si nous mêlons aux États-Unis, la coûte nous. Peut-être environ 5 à 10 000 dollars. Et puis on dit, si nous enterrons dans Israël, la salle va coûter 300 dollars. Bon prix. On dit qu'on est à la. On dit qu'on est à l'histoire. On dit qu'on est à. Bon, on dit, ok, madame a dit, même s'il coûtait 10 000 dollars, on a mené nous. Oh, non, non, non. Elle dit non, mais ça dit non, 300 dollars. Et puis, il dit, mais Maria dit non, nous préférons dépenser comme là. Attendez, parce qu'elle dit, nous connaissons, il y a tel un homme qui est le Jésus, et puis il restitue le troisième jour. Donc, si nous entrons, il y a la ressuscité. Ask you, why are you a Christian? Why are you a Christian? You are a Christian because Jesus is risen. Amen. Praise God. Il n'est pas mouru, il est ressuscité. Et c'est ça fait fierté. Et concernant les paroles que Jésus a prononcées, la résurrection prouvait toute salle de Dieu, c'est vérité. Jesus said, I am the way, I'm the truth and the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas besoin qu'on ait une religion, pas besoin qu'on ait un qui sort au coin. Mon seul moyen pour aller dans le ciel là, c'est pour passer par Jésus. Et si maintenant, par hasard, ou pas de Jésus, pas déplacé, donc on est dans notre culture, non. Easter, we have to come to church. We understand that. That's a good thing. But you need to think about something. You need to reflect on the resurrection of Jesus. Jésus ressuscité.
afin que nous-mêmes, un jour, les mourir pour nous ressusciter. On a joint. Donc, pendant que nous allons chanter, les cantiques, 69, chant d'espérance français, ou même nous qui t'as aimé pour nous prier pour nous. If you want to come forward, don't be ashamed, because this is a great day today. You can come forward, we'll pray for you. Souvent, foi nous était disciples en secret. Mais Joseph d'Arimathée, il dit bonjour parce qu'il a quitté encore. Léon crucifié Jésus, il était présenté devant Pilate, il demandait quoi Jésus. Et tout le monde te reconnaître comme disciple en secret. Sous son disciple en secret, matin, approché. Il est tout comme, on est au point. Brisant ses liens funèbres. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia. Mettez debout. Et debout, si on nous appelait, on va approcher. On va prier avec vous ensemble pour la gloire de Dieu. Brisant ses liens funèbres. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia. Le ciel, la terre, oh, chanter. Alléluia. Jésus est ressuscité. Passer dans la présence où nous sommes capables de proclamer, déclarer ou pas dans ton blanc encore pour ressusciter au siècle des siècles. Merci, cher Seigneur Dieu, pour victoire. Merci, Seigneur Dieu, pour Seigneur Dieu, assurance, Seigneur Dieu, le salut. Pour t'annoncer, cher Seigneur, aujourd'hui, à Seigneur Dieu, nous-mêmes, pour ces prémices-là, et non, Seigneur Dieu, viens pour ressusciter, pour avoir mon corps glorieux, pour nous rencontrer dans les airs. Papa, avec nous, cher Seigneur Dieu, chaque fois que tu as besoin des paroles salaud, on va bénir, on va tout boire en temps et hors de temps. Et nous, on va louer, nous t'en prions, mon Père, au nom de Jésus. Amen, seul, on va gloire, honneur, au siècle des siècles. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour ce beau jour, ce grand jour. Nous disons Dieu merci pour vous-même qui êtes venu. Attendons encore plus tard. Côté que la bonne concert, ça c'est avant vous, hein. Mais plus tard, il y a plus de puissance encore. Amen. Praise God. Il n'est point ici. Il est ressuscité. J'étais mort. Maintenant, je suis vivant au siècle et des siècles. Dieu le Seigneur qui est ici. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait les cieux de la terre. La grâce et la paix. Donc, le Seigneur sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce intime, pour nous, l'Esprit Saint, reste et demeure sur chacun de nous, et maintenant, pour toute l'éternité. Amen. Maranatha.